Patrice et Cédric, bonjour. Nous sommes au Gay Circus à Avignon. La marche vient de se terminer. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était vraiment sympa. C'était assez mitigé comme, comme personnes qui ont participé. Il y avait beaucoup de jeunes. Ça m'a beaucoup surpris pour ça. Et un peu moins de ma génération. Mais tant pis, on s'y habituera. C'est assez sympa, c'est surprenant. Ça fait, je crois, c'est la deuxième année que ça se passe. C'est bien, ça progresse. Il y a pas mal de monde. Ça devient intéressant. Oui. Phénomène. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce soir? Certainement participer à 2-3 apéros, après une petite soirée avec des amis dont on fête l'anniversaire pour une de nos copines, et puis retour sur la scène ou la comédie ou à l'Opéra Café selon l'ambiance. Pour vous aujourd'hui une marche en France, qu'est-ce qu'il doit y avoir comme ingrédient? Eh bien, ce qu'il y avait cet après-midi, justement. C'est-à-dire, pas forcément de revendications politiques, mais une super ambiance, une belle convivialité intergénérationnelle, et puis de la musique, la fête, pas se prendre la tête, et puis participer à un bon moment. Pour vous, les revendications pour les homosexuels, c'est quelque chose qui est secondaire? Je dis pas que c'est secondaire, je dis que c'est bien que les Gay Prades existent, et c'est bien aussi que ce genre de manifestation existe. C'est-à-dire que, pourquoi pas en faire deux par an, après tout? C'est pas mal, non?